On était le 24 décembre, en fin d'après-midi. C'était un samedi. Au grand magasin de jouets et cadeaux où Jésus avait travaillé l'après-midi, on s'apprêtait à fermer. Le directeur s'approcha de Jésus et lui glissa quelques billets dans la main, en lui souhaitant de passer de bonnes fêtes. Une commise fit une plaisanterie sur son prénom. Tout le monde rit. Cela ne le fâcha pas et il rit de bon cœur avec les autres. Cela avait toujours été ainsi, depuis l'école, en passant par le régiment, les bistrots, les rencontres avec les cheminots, c'est semblable. Il avait d'ailleurs toujours trouvé un peu ridicule que l'on lui eût donné à lui le nom de notre Seigneur. Sa mère, qui était seule quand elle l'avait mis au monde, avait voulu l'appeler ainsi. C'était une Espagnole, très pieuse, et cet enfant était sa fierté. Lui, il avait l'habitude d'être sans fierté, qui n'était qu'un errant, allant par les chemins, faisant quelques travaux lorsque l'occasion s'en présentait ou la nécessité l'imposait. Il ne possédait à cet instant qu'une poussette d'enfants qu'il avait récupérée à l'entrée de la ville et conservée, Dieu sait pourquoi. Il comptait vaguement l'utiliser pour y déposer les affaires lorsque de braves gens voudraient bien lui faire des courses moyennant quelques pièces de monnaie. Souvent, il repensait au jour où il avait été libéré de l'armée et où il était rentré chez lui, il y avait de cela bien longtemps. Ce n'était plus son nom sur la porte, et les voisins lui avaient appris que sa mère était morte à l'hôpital. Au début, il avait cherché un emploi. Il avait même occupé 2 ou 3 places, mais il n'était pas parvenu à se fixer et avait fini par se retrouver sur les chemins. Voilà quelle avait été sa pauvre vie. Aujourd'hui pourtant, pour la première fois depuis bien longtemps, un sentiment de fierté l'avait habité. Comment l'expliquer ? Il se rendait compte du caractère dérisoire de ses sentiments. Néanmoins, cette flamme qui s'était allumée en lui ne s'éteignait pas. Arrivé dans cette ville vers midi, il avait vu la pancarte et était entré se proposer. Cherchons Père Noël. Revêtu de la robe rouge sous laquelle il étouffait dans la chaleur du magasin, le bonnet sur la tête, nanti d'une grande barbe blanche, il avait subi les assauts des enfants toute l'après-midi. C'était de tout petits enfants qui croyaient encore au Père Noël. Ceux qui étaient plus grands regardaient de loin leur Benjamin avec dédain et commisération. Mais les enfants qui avaient grimpé sur ses genoux, mis à mal sa tenue, tiraient sa barbe, avaient un tel rayonnement de bonheur sur le visage qu'il en avait été réchauffé. Pour la première fois depuis bien longtemps, il avait été illuminé par la certitude d'avoir servi à quelque chose. Pendant qu'il repassait tout ceci dans sa tête, le cercle des personnes qui s'étaient formées un court instant autour de lui s'était évanoui. Les employés s'affairaient pour fermer le magasin, l'on ne lui prêtait plus d'attention. Tout le monde était désireux de faire quelques dernières emplettes et de rentrer chez soi afin de retrouver sa famille. Jésus sortit et, après cet après-midi
passé dans la chaleur étouffante du magasin surchauffé, le froid le saisit et lui coupa la respiration. Allons, il fallait qu'il se ressaisisse. Et tout d'abord, que faire? Où aller? Il avisa une alimentation de l'autre côté de la rue et qui était encore ouverte. Et puisqu'il avait un peu d'argent, il se dit qu'il allait pouvoir acheter quelques comestibles, peut-être même une petite bouteille, pour fêter à sa manière le réveillon. Il chercherait un coin tranquille, un renfoncement de porte cochère, pour se mettre à l'abri du vent glacial qui soufflait et se donner du bon temps. Il se mit à marcher en direction de l'alimentation, se cramponnant à sa poussette, l'argent toujours dans une main, trébuchant sur les paquets de neige qui recouvraient la chaussée. Lorsque tout à coup, il se sentit violemment bousculé et glissa lourdement sur le sol. Il distingua deux ombres qui se perdirent dans la nuit, si vite qu'il se demanda même si tout cela avait été réel. Mais lorsqu'il se fut relevé, il s'aperçut que ses quelques billets avaient disparu. Personne alentour n'avait prêté attention. D'ailleurs, chacun se hâtait de rentrer chez soi, ne regardant que le sol pour éviter de tomber. Une soudaine envie de pleurer le prit. Une impression d'affreuse solitude le saisit. Où était le soleil de l'après-midi passé qui lui avait fait croire à la possibilité d'un bonheur? Sous la pâle clarté de la lune, le monde lui apparaissait une fois de plus, sous les espèces de la méchanceté humaine qui lui avait déjà donné tant de souffrances. Alors, il pivota sur lui-même. Il pivota sur lui-même et tournant le dos à l'alimentation, aux lumières, il se mit en marche dans la direction de la sortie de la ville. Vers cette campagne glacée, où pourtant la solitude lui paraîtrait moins affreuse que celle qu'il quittait. Et il s'enfonça dans la nuit. Les roues de la poussette grinçaient et butaient contre les paquets de neige. Pendant ce temps, à quelques kilomètres de là, un couple de braves gens s'apprêtait à passer la soirée du réveillon. Oh, une soirée bien paisible et modeste, mais débordante de paix et de bonheur tranquille. Le feu pétillait doucement dans la cheminée. Le mobilier était rustique, mais confortable. La femme était assise dans un fauteuil et lisait, comme chaque jour à cette heure, la Sainte Bible. En ce moment précis, elle songeait plutôt à un passage qu'elle venait de relire concernant la naissance de Jean, d'Élisabeth, cousine de Marie, et de Zacharie, à un âge où ils ne pouvaient plus espérer avoir de descendance. Certes, il y avait là une chose qui n'avait été possible que par la volonté divine. D'ailleurs, la naissance de Jean, le précurseur, avait été annoncée à Zacharie, qui en était resté muet, par l'ange Gabriel, qui devait faire la même annonce quelques mois plus tard à Marie. Hélas, pour eux, humbles gens, leur vie se terminerait sans qu'il y ait un enfant au foyer. C'était le point sombre de leur vie, le sujet qu'ils évitaient d'aborder. Depuis de nombreuses années déjà, ils savaient qu'ils n'auraient pas d'enfants. Ils s'étaient en quelque sorte refermés sur eux-mêmes, vivant
l'un pour l'autre dans une sorte de paix rythmée par le travail, l'entretien de leur maison et de leurs animaux, vivant dans une sorte d'autarcie, comme coupés du monde et presque du siècle. L'homme coula un regard vers son épouse, dérobé à la vue de celle-ci, dans le coin de la pièce où il se trouvait, il mettait la dernière main au cadeau qu'il lui avait préparé. Un faitout taillé dans la masse d'un billot de bois et qu'il lui remettrait tout à l'heure lorsque la grosse horloge campagnarde sonnerait les 12 coups de minuit. Certes, il s'agissait d'un cadeau vraiment rustique, mais dans lequel il avait mis de nombreuses heures de travail et beaucoup de lui-même. Il songea avec attendrissement qu'elle avait dû faire de même et qu'elle lui exhiberait tout à l'heure un bonnet tricoté de ses mains ou une grosse écharpe. L'horloge sonna 8 coups. L'homme se leva et dit, comme chaque soir, « Je vais voir les bêtes. » Quoiqu'il ne soit ni agriculteur ni éleveur, il cultivait quelques légumes et entretenait quelques animaux pour leurs propres besoins. La femme faisait le pain et des conserves. Ainsi, leurs besoins d'échange à la ville se limitaient à quelques outils, aux vêtements et aux espèces nécessaires pour le service des impôts. L'étable se trouvait à l'autre bout de leur petit domaine, adossé au mur d'enceinte derrière lequel passait la route qui menait à la ville. L'homme, foulant le sol de sa terre d'un pas familier, car il la tenait de ses parents, leva les yeux vers les cieux pour consulter les étoiles, ainsi qu'il en avait l'habitude. Dans sa jeunesse, il avait été envoyé dans les montagnes pour s'occuper des moutons de son père, et un vieux berger lui avait appris à reconnaître les étoiles ainsi que leur situation. Il avait neigé peu de temps auparavant et tout était recouvert d'un blanc manteau. Le ciel était maintenant dégagé. Il faisait très froid car le vent s'était levé et soufflait en rafales glaciales. Le ciel scintillait de toutes ses étoiles. Comme d'habitude, l'homme chercha la grande ours. Et tout à coup, il sursauta dans la constellation du grand chariot. Il y avait une étoile de plus. Il s'arrêta net, se disant « Mais je me trompe. » Mais, recomptant les étoiles, il arriva à la même conclusion folle. Ce soir, 8 étoiles brillaient dans le grand chariot. Sentant sa raison impuissante à lui apporter une explication qu'il put recevoir, il fit brusquement demi-tour et sans se préoccuper davantage de ses animaux, il rebroussa chemin vers la maison à pas rapide pour conter la chose à son épouse. Bien avant que le bonhomme eût cru voir une étoile supplémentaire dans le grand chariot, plusieurs heures avant, Jésus s'était mis en marche au sortir de la ville, dans la campagne. Il allait droit devant lui, ulcéré, dans une marche qui lui semblait être un long voyage au bout de la nuit. Puis la neige s'était mise à tomber, recouvrant toute chose et lui enlevant toute visibilité. Néanmoins, il suivait le bord de cette affreuse route où personne ne passait,
Il semblait que ce fût un lieu abandonné de tous et de Dieu lui-même, pensa-t-il. Mais quelle idée avait-il eue de vouloir marcher ainsi? Quelle idée également de s'être embarrassé de cette stupide poussette qui ralentissait sa marche et qui, peut-être, ne lui apporterait rien? À quel réflexe avait-il obéi en la faisant sienne? S'il était resté à la ville, il aurait pu au moins se mettre à l'abri dans un renfoncement d'une porte ou sur la marquise d'un magasin. Il avait à cette heure fait trop de chemin pour revenir en arrière. Il fallait continuer. Il finirait bien par arriver au village suivant. Maintenant, il longeait un mur qui avait hauteur d'homme, de telle sorte que l'on ne pouvait distinguer ce qu'il y avait derrière. Bonsoir. Sans doute le domaine d'un riche propriétaire, pensa-t-il, en ralentissant son allure. Mais que pouvait-il en attendre? Haussant les épaules, il s'apprêtait à reprendre sa marche lorsque soudain son pied droit heurta quelque chose. Il regarda le sol et ce qu'il vit le cloua de stupeur. Posé par terre, presque contre le mur, il y avait un tout petit enfant, presque invisible, car son maillot de linge blanc le faisait confondre avec la neige. Il regarda autour de lui. Il n'y avait personne. Il s'agenouilla devant l'enfant, se demandant s'il était vivant. Oui, l'enfant vivait. Il respirait faiblement, son cœur battait, mais son petit visage était bleui par le froid. C'était un tout petit bébé qui ne devait pas avoir plus de quelques jours. Quelle affreuse tragédie avait pu amener celle qu'il avait mise au monde à se séparer ainsi de son enfant. Il fut pris d'un sentiment de panique. Que faire? Où aller? Qui appeler au secours? Le village était à plusieurs kilomètres. L'enfant supporterait-il le trajet? Jésus sentait ses forces l'abandonner, car il était fatigué après la longue marche qu'il avait fournie. Pourtant, cette vie qui palpitait là encore, dans la poitrine de cet enfant, comme un oiseau captif, ne dépendait peut-être que de lui. Un sentiment écrasant de responsabilité et d'impuissance s'abattit sur lui. Que faire? Jésus saisit l'enfant et le frictionna sur tout le corps, ainsi que sur les joues. Puis, avisant un endroit où le mur faisait une sorte d'avancée à son faîte, un rebord qui faisait que la neige ne tombait pas au pied même du mur. Il y plaça sa poussette, y déposa l'enfant et, enlevant la vieille capote militaire qui lui servait de manteau, il l'enveloppa dedans. Il se mit à genoux et, se penchant au-dessus du bébé, il se mit à souffler sur son visage pour le réchauffer. Il était très fatigué, mais il continua longtemps. Progressivement, le visage du nouveau-né reprit un peu de couleur, pour autant qu'il lui semble avoir. Alors Jésus enleva son veston et en recouvrit l'enfant, lui faisant une protection supplémentaire. Le froid saisit brutalement Jésus et il se mit à grelotter si violemment qu'il avait du mal à contrôler ses gestes. Mais l'enfant poussa un faible gémissement.
ses yeux s'ouvrirent. Légèrement, un peu de rose fleurit sur ses joues. Un sentiment de puissance et de fierté traversa Jésus. Une prière s'éleva dans son esprit. Mon Dieu, faites que ma vie qui ne servit à rien puisse sauver celle de ce petit enfant. Faites que cette merveilleuse promesse ne s'éteigne pas. Faites que la neige s'arrête. Alors, luttant pour coordonner ses gestes, il enleva rapidement son tricot, restant torse nu. Ce faisant, il dépouillait définitivement le vieil homme. Il disposa le tricot au-dessus du visage du bébé, ménageant une espèce de tuyau afin qu'il pût respirer. Comme si sa prière avait été entendue, la neige cessa de tomber. Alors Jésus s'allongea contre l'enfant, se blottissant contre lui pour le protéger au maximum. Ses forces l'abandonnaient. Il ne sentait plus le froid. Il entra dans une sorte de torpeur peuplée de cauchemars. À un moment, il eut l'impression confuse que l'on l'appelait par son prénom de très loin. Puis il sombra dans l'inconscience. Le charpentier ressortit de sa maison et se dirigea à nouveau vers l'étable. Il avait dit à son épouse ce qu'il avait vu. Une étoile de plus dans la constellation du grand chariot. Et le lui disant, il était partagé entre la surexcitation qui s'emparait de lui et la certitude qu'elle allait se moquer de lui, comme il la connaissait mal. Son épouse ne s'était pas moquée de lui, n'avait pas haussé les épaules, ne lui avait pas davantage marqué de doute et n'avait même pas paru surprise. Lorsqu'il s'était dressé devant elle, surexcité, elle avait posé son livre, l'avait regardé, avait écouté posément ce qu'il disait. Elle avait donc écouté tout ce qu'il avait dit avec une extrême attention, puis, avouant son impuissance à lui apporter une explication, elle lui avait dit simplement que rien ne pouvait exister qui ne découla des lois de la nature et de Dieu. Que ce qui paraissait incompréhensible à l'homme ne pouvait résulter que des limites de ses connaissances et de sa raison. Que cela ne devait pas le troubler. Que de toute façon, tout ce qui se passait était dans l'ordre du monde. Puis, elle lui avait conseillé d'aller voir les animaux comme d'habitude. Rasséréné par ces apaisantes paroles, le charpentier était donc ressorti. Mais il préférait ne pas regarder le ciel et il marchait avec les yeux obstinément fixés sur le sol. Il arriva devant l'étable et allait soulever le loquet de la porte lorsqu'il crut entendre un gémissement étouffé. Il sursauta. Quoi encore? Il n'y avait pourtant personne dans cette solitude. Il allait poursuivre lorsque le vent lui apporta un nouveau bruit. On eût dit un bébé qui pleurait. Il se dirigea vers le mur de clôture. Cela semblait venir de là. Un nouveau gémissement se fit entendre. Il fallait qu'il en eût le cœur net. Peut-être était-ce un chien malade, blessé. Se hissant sur le faîte du mur de clôture, il opéra un rétablissement et se laissa tomber de l'autre côté.
ses pieds n'avaient pas plutôt touché le sol qu'il avisa, à quelques mètres de là, une forme humaine allongée. Il s'empressa. L'homme, car c'en était un, était allongé sur le côté droit, recroquevillé en arc de cercle, comme arc-bouté contre le mur de clôture. Il le tira à lui, le mettant sur le dos, et regarda son visage. Il comprit immédiatement qu'il était mort. Les yeux grands ouverts regardaient fixement quelque chose que personne ici-bas ne pouvait voir. Le charpentier abaissa les paupières du mort et fit le signe de la croix. Pauvre diable! C'est alors qu'un nouveau gémissement se fit entendre. Le charpentier sentit ses cheveux se hérisser et frissonna des pieds à la tête. Pourtant, ce gémissement ne semblait pas venir de l'homme allongé. Alors il remarqua, tout contre le mur de clôture, une poussette d'enfant sur laquelle était entassé ce qui semblait être des hardes. C'est de ce paquet que venaient les gémissements. Il avança la main, toucha, sentit une forme. Il arracha fébrilement les vêtements du dessus. Alors, un tout petit visage apparut. Il y avait là un bébé, un tout petit bébé, qui pleurait. Notre homme n'hésita pas. L'homme, de toute façon, était mort, il ne pouvait rien pour lui, mais il fallait sauver l'enfant. Il saisit rapidement le bébé, l'enveloppa dans les hardes, le posa sur le faîte du mur, se hissa, redescendit de l'autre côté, se saisit à nouveau de l'enfant et se mit à courir vers la maison du plus vite qu'il put. Naturellement, l'enfant fut sauvé et le couple qui était honorablement connu dans tout le pays n'eut pas de peine pour obtenir des autorités qu'il lui fut confié. L'homme et la femme firent donner une sépulture au malheureux Jésus et comme il avait sauvé la vie de l'enfant, ils donnèrent son prénom à celui-ci. Élevé dans de saints principes, cet enfant qu'ils adoptèrent leur apporta bien des satisfactions, mais ceci est une autre histoire. L'homme, qui s'appelait Joseph, se souvint longtemps qu'après avoir déposé l'enfant dans les bras de son épouse, afin qu'elle lui donnât les premiers soins, et étant sorti pour aller quérir le docteur, il avait cherché du regard, non sans crainte, la constellation de la Grande Ourse. Elle comportait 7 étoiles. Exactement comme cela devait être. Ni une de plus, ni une de moins. Lorsque plus tard, il avait conté à son épouse que l'étoile surnuméraire n'était plus dans le ciel, se demandant alors s'il n'avait pas rêvé, elle l'avait regardé avec bonté. Et ne répondant pas, elle avait abaissé son regard comme en elle-même, comme si elle s'était refermée sur la contemplation d'un indicible et magnifique secret. Alors, l'homme avait compris que désormais, une étoile était venue briller dans leur cœur.